Derrière son sourire et son visage angélique, Isabelle Carré cache les blessures de l'enfance et de l'adolescence. Père homosexuel, séjour en hôpital psychiatrique, la comédienne prend la plume pour la première fois et écrit sa vérité, sans concession, dans un roman, Les Rêveurs. Elle est aussi au théâtre, dans Baby, de Jane Anderson, mise en scène Hélène Vincent, une pièce choc sur la lutte des classes. Rencontre avec une actrice solaire et intense, par Sabrine Kasbaoui. Avec son aisance discrète, Isabelle Carré ne cesse de naviguer d'un registre à l'autre. Dernièrement, on l'a vue au cinéma dans la comédie Garde alternée d'Alexandra Leclerc. Cherchez un titre en particulier ? Je suis la femme de Jean. Connais pas ? C'est quel auteur ? On la retrouve aujourd'hui au théâtre de l'Atelier à Paris dans une tragicomédie sociale de Jane Anderson, Baby, et mise en scène par Hélène Vincent. Et vous le connaissez ? Bruce Willis ? Non. Vanda, elle vous a choisi à cause que vous pourriez lui présenter des stars de cinéma. N'importe quoi. Mais si, c'est vrai. Mais à 46 ans, Isabelle Carré vient aussi de signer son premier livre, Les Rêveurs, le récit intime et romancé de son enfance. Portrait en toutes lettres d'une actrice aux mille facettes. Ce qui m'a plu dans cette pièce écrite par Jane Anderson, Baby, c'est qu'on les comprend tour à tour, on comprend chaque personnage tour à tour et pourtant ils sont effectivement dans une classe sociale complètement opposée. Ils ont des désirs qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres. Richard, le bébé arrive. Al. Ouais. Faut vraiment que j'aille me faire stériliser. Dans le livre Les Rêveurs, que j'ai mis 3 ans à écrire, il y a 2 classes sociales opposées. La classe sociale de la mère, qui vient donc d'un milieu aristocratique un peu désargenté. Et puis la classe sociale du père, petit fils de cheminot, garde-barrière, couturière, petit fonctionnaire. Voilà. Et effectivement, c'était le grand écart en fait, entre les deux. Dans les choix des rôles que je fais, c'est vrai qu'il y a toujours le désir que ça réponde quand même à des questions que je me pose par rapport à ma vie, à des thèmes qui m'obsèdent. Alors on peut dire que l'adoption, oui, ça s'en est un. J'ai fait un film avec Bertrand Tavernier, Oli Lola, où on a été pendant presque 3 mois au Cambodge, dans les orphelinats de Phnom Penh. C'était vraiment très, très, très marquant. Il y a le thème de l'adoption aussi dans le livre, dans Les Rêveurs. La mère dans le livre, en fait, elle est fille mère. On est à la fin des années 60 et elle subit l'injonction familiale de voir elle aussi abandonner son enfant. Elle va avoir la force de ne pas le faire. Dans Le Refuge, ce qui était particulier, c'est que la mère que j'interprétais avait aucun contact avec son bébé. Et ce qui était très étrange, parce que moi, j'étais donc vraiment enceinte à ce moment-là et je faisais tout l'inverse. Ce qui me touche à chaque fois, en fait, c'est quand on mélange et qu'on n'arrive plus à discerner la fiction et la réalité. Je parle de roman parce que j'ai pas cherché à aller vers la vérité. J'ai essayé de... C'est une phrase que j'aime beaucoup de Virginia Woolf qui dit que c'est en amassant une grande quantité d'erreurs qu'on a des chances justement peut-être de l'atteindre, cette vérité. Voilà, et c'est comme ça que j'ai procédé, c'est-à-dire en comblant tous les vides, tous les petits pointillés, tout ce que je ne savais pas par mon imagination. C'est un livre qui ne s'attache pas tant aux faits qu'à l'émotion, qu'aux détails, aux odeurs, aux sensations, à ce mystère de l'enfance. J'ai commencé en fait à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais très jeune. J'avais, je sais pas, 10, 12 ans. Voilà. C'était un journal intime. Et puis après, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit pas mal de poèmes quand j'étais ado. Et puis j'ai arrêté complètement vers l'âge de 27 ans. Je pense que ce métier, en fait, me comblait, me remplissait. J'aimais bien être dans les histoires des autres. Là, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de costume. Enfin, pouvoir dire ses propres mots, prendre la parole, quoi, et m'exprimer avec mes pensées, mes émotions. J'ai vraiment voulu que ça soit quelque chose qui soit travaillé avec une langue. Peut-être que ce désir de poésie et de musique, c'est le maquillage de l'histoire.